Je ne sais pas pourquoi je suis pâle, pâle, pâle. Non mais à ça par contre j'ai un peu du mal, je vous avoue. Genre en ce moment je deviens vraiment vraiment très pâle. Limite là je suis un fantôme. Je fais de la lumière. Peut-être que je suis devenu un fantôme. Peut-être que je suis mort dans mon sommeil. Bouh. Quoi là tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là-haut. Aujourd'hui, les amis, vous là derrière votre écran. Aujourd'hui, désolé ma table t'a frappé, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. En plus j'ai mis une vraie fessée à ma table, désolé. Aujourd'hui les amis, on va aller sur Omegle. Parce que la dernière vidéo qu'on a faite sur Omegle vous a énormément plu. Vous avez été très nombreux à mettre des pouces bleus, très nombreux à mettre des commentaires extrêmement positifs. Donc merci beaucoup tout le monde. Je suis très content des retours. Et si vous kiffez aussi cette vidéo, et c'était pas pareil hein, tu t'abonnes, ça soutient beaucoup la chaîne. Donc si tu le fais t'es le boss, si tu le fais pas, c'est pas grave. Moi je t'aime quand même. Genre y a pas de problème. Donc les gars, on va commencer, on va aller sur Omegle, mais cette fois-ci, il y aura une petite différence avec les autres vidéos Omegle, c'est que là, on va aller un peu sur Omegle français, et juste après, je vous le dis pas comme ça, après, on va aller sur Omegle dans d'autres pays. Après, on va aller sur Omegle, mais dans d'autres pays, par exemple, d'autres pays, on va aller dans d'autres pays, par exemple, l'Afrique. Je rigole. Je sais très bien que l'Afrique, c'est pas un pays, mais j'aimerais trop aller en Afrique. J'ai envie de voir des animaux, mais pas dans un zoo, putain. Est-ce que des fois, ça vous arrive de vous ennuyer, genre comme ça? Eh bien les potes, tonton Rayton, il a trouvé la solution. Core. Core, c'est une plateforme de jeux en ligne, là où c'est vous, les joueurs, la commu, c'est vous qui créez les jeux. Et vu que c'est la communauté qui crée les jeux, ça rend le truc incroyable parce que il y a des idées de partout dans le monde, on n'est pas limité, et en plus, toi derrière ton écran, tu pourrais totalement créer un jeu. Très simple de créer un jeu, et après tu peux inviter tes potes et jouer avec eux, et surtout le partager avec le reste de la communauté. Il y a des jeux de tous les types, hein. Des shooters, des RPG, des jeux un peu comme les Sims, là où en gros c'est de la gestion de vie. Tu peux faire du mini-golf, t'as aussi des thèmes, par exemple comme My Hero Academia, je sais que beaucoup d'entre vous sont fans. Aujourd'hui, moi j'ai décidé de jouer à Arsenal of Guns. En gros c'est un jeu un peu paintball, là où tu tires sur tout le monde en FPS. La qualité est bonne, c'était réactif, c'était gratuit. J'ai passé un bon moment et en plus j'ai joué avec plein de gens. Je pense qu'une partie du futur de jeux vidéo se joue dans ce genre de projet. C'est à dire que vous pouvez juste aller dans votre imagination, piocher des idées et le créer, vu qu'il n'y a pas des grosses demandes techniques. T'as pas besoin d'être un professionnel dans le code et tout. Et j'ai même eu le temps de customiser un peu mon personnage. Je me suis pris un petit overboard, tout allait bien. Parce que oui, vous pouvez aussi créer vos persos bien évidemment. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à y aller pour aller checker un peu. Et on commence la vidéo. Putain, à chaque fois que je vais sur Omegle, je stresse, hein. Alors que, en vrai, à cette heure-là, il est 12h, enfin 12h40. On est un lundi, et surtout, tous ceux qui sont là, c'est forcément des gens qui ont rien à faire de leur journée. Ou des youtubeurs. Sélectionnez une langue. Celle-là. Vas-y, mes blagues, elles sont claquées. Heureusement que je mets de la bonne humeur parce que mes blagues, elles sont nulles. Je mets le chat en français, on va voir ce qui va se passer. Bonjour. Yes. Ça va? Ça va toi? Ah, tranquille. Ça fait quoi? Je joue à Call of Duty. Call of Duty? Eh, qui gagne? Qui gagne entre vous deux là? Moi je les pète. Tu le pètes? Il a pas l'air de dire la même chose, hein. Je les pète. C'est moi qui ai la manette. Ah, il a pas l'air de. Eh gros, il a pas l'air de tout dire la même chose, hein. Non, mais moi je veux savoir c'est qui le meilleur. J'ai pas besoin d'avoir la manette, je les pète pareil. Ça veut dire, toi tu fais par télépathie, vas-y, genre, tu contrôles la console. Gars, il reste caché parce qu'il peut rien faire d'autre. C'est une tapette là. Putain, mais les gars, ça va devoir se régler en 1v1. Vous avez qu'une manette pour deux? Mais non. J'ai trop torché alors j'ai. Ma TV, attends, t'as ta propre télé. Mec, le gars il a sa télé, ça. Il a deux fois la même console. Et est-ce qu'il y a la PS5 dans le coin? Bah, elle se vend pas encore. Bah, sur le dark web, hein. Oublie pas, hein. L'autre il a l'air plus chaud que toi. Lui il a la manette. Regarde, t'as vu ce qu'il a fait? Yes, sir. Yeah. Faut bien qu'il se pratique si un jour il veut arriver à côté de moi. La grosse tête, hein. Bon, les gars, les gens, ils sont totalement fous. Ils ont un petit accent québécois, j'ai bien aimé. Oh, venez, on part direct sur le Zoulou. Mais c'est quoi Omegle en Zoulou? Bon, Omegle en Zoulou, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde, je suis désolé. Mais je sais même pas. Attends, c'est où le Zoulou? Je sais même pas c'est quoi. C'est juste que le nom est rigolo, mais je sais pas où c'est le Zoulou. Zoulou est un peuple d'Afrique. Ah, ok, bon, on découvre des choses. En vrai, c'est. Ça me cultive. Reconnus pour leurs armées formidables. Ouais, ils ont l'air trop déter. Eux, ça sent, ils géraient la guerre. Eux, ça sent, c'était des bons. Vas-y, on va aller à Hawaï. Corée. Mais les gars, en fait, on peut tellement aller partout. Les Gallois, les Gaulois. Putain, j'ai cru c'était les Gaulois. Je me suis dit, genre Astérix, c'est l'Omegle. Vas-y, on va aller voir la Corée. Hello, I'm French. Understand what I saying? Non. Hello. Mais c'est pas possible. Les Finnois, j'ai jamais vu une personne parler finnois, je sais même pas à quoi ça ressemble. Hello. Hello. Papaye. Hello. What are you doing? Oh, a dog. He's cute. Oh, a dog get Omegle. I'm French, I'm français. Bon, les Finnois sont pas les Finnois ils sont pas dans l'humour fin, tu vois. Genre ils sont dans un autre monde. Vas-y, on va retourner un peu chez les FR. Yo, ça fait quoi? Vous avez des voix de chipmunks, les gars. Vous avez clairement des voix de chipmunks. Tu veux que je parle lentement? Oui. Ok. Pourquoi vous avez des voix de chipmunks? Moi, je comprends rien. Les gars, j'ai rien compris. Genre, eux, c'était trop bizarre. Allô? Vous allez bien, les gars? Ça va. Et toi? Moi, ça va. C'est le week-end. Ah non, on est lundi, merde. Putain, je devrais être en cours. Bon, bah, du coup, ça va moins bien. Et vous faites quoi? Rien. Ah, bah, c'est super intéressant. Du coup, en fait, on est tous en train de rien faire sur Omegle à cette heure-là. C'est super. Hein. C'est productif, la France. J'ai cru à la cabine. Hello.
Hello. Yeah. Yeah, don't understand. Yeah. Nier. Je comprends rien, les gars, vous êtes attention. Je comprends rien, les gars, je comprends rien à ce qu'ils me disent. Yo. Hi. How are you? I'm how old are you? Hi, are you? J'ai darbé, hein. J'ai rien compris. Danois. Ram danois. Danois. Laloa. Aloha. Don't understand. Putain, je comprends rien du tout, les gars. Le pire, c'est que j'ai pas un anglais dégueu, tu vois. Jusque là, je ne comprends rien. Eh, Omegle, ça se dit Omegul. Bon bah, on est sur Omegul. Non mais mec, y a pas de français même dans le truc français. C'est chaud quand même là, par contre. Section non modérée. Genre la section de base, elle était modérée. Yo. Mais attends, mais vous êtes où là encore? C'est quoi ça? Mais putain, mais qu'est-ce que vous faites à la cantine? C'est un youtubeur. Mais oui. Genre, qu'est-ce que vous faites à la cantine? C'est trop fort, mon gars. Merci. Mais attends, vous êtes en cours là? Mais sérieusement, vous êtes en cours? Ouais. Ouais, c'est pas très sérieux. Après, moi, je devrais y être aussi, je vous avoue. On est en pause. Ouais, en fait, genre, juste je traîne sur Omegle et je vois ce qui se passe. Ah, je vous tombe sur vous en cours, les gars, vous êtes pas crédibles, genre, c'est chaud. On est juste en pause, ça va. Et donc, vous, pendant la pause, allez sur Omegle. Ah ouais? Pourquoi pas? J'ai activé la cloche. Oh, putain, mais t'es un bon. Eh, mais c'est abusé. Je te connaissais pas. Et bah, maintenant, tu me connais. Moi, je vous connais tous. Vous appelez comment? Moi, je m'appelle Asma. Asma? Moi, je m'appelle Baptiste Sampé. Baptiste Sampé? C'est muet, je l'ai enlevé. Ah ouais, normal. Et toi? Moi, comment je m'appelle? Ouais. Moi, je m'appelle Carlos. Carlos, les gars. Carlos. Bah oui, Carlos, c'est la légende. Carlos, c'est un bon défenseur droit. Quoi? Mais les gars, moi je suis pas venu pour marabouter, hein. Dites-moi, genre racontez-moi un truc qui se passe en cours qui est débat. Genre n'importe quoi. Moi je vais pas en cours, je suis déscolarisé. Et raconte des blagues là, Ryan. C'est maintenant qu'il faut les sortir. Eh Ryan, là, vas-y, raconte-nous des blagues, on attend que ça. Eh Ryan, tu casses les couilles là, vas-y. Ryan, j'entends rien de ce que tu dis, tu parles pas fort. Tu parles pas fort. Ouais, c'est mieux là. Eh Ryan, t'as la pression, hein. Je pense qu'il a un peu la pression. Il est timide, là, il a peur. Il fait son timide. Eh, faut pas bégayer, si tu veux, genre, vas-y, mets-toi bien, parle lentement. Allez, Ryan, pratique. Qu'est-ce qu'une femme avec des petits pieds? Je sais pas. Une femme près du lavabo. Quoi? Attends. Quoi? Elle s'est barrée. Je suis allé regarder mon lavabo, les gars, j'ai pas compris la blague. On peut me la réexpliquer? Je fais du 41. Ce mec, là, Ryan, fait du 38. Mais pourquoi vous me parlez de la taille de vos pieds? Une femme avec des petits pieds près d'un lavabo. Lui, il a 10 de moyenne, donc c'est un peu compliqué, lui. Vous galérez à communiquer avec lui des fois? Comment? La communication avec lui, ça se passe bien. Non, s'il faut lui apprendre un peu les coutumes aussi, hein. Ah, taisez-vous. On est avec un youtubeur. Vous êtes en quelle classe? On est au lycée en seconde. Est-ce que les trucs sanitaires, ça passe bien au lycée ou est-ce que c'est encore n'importe quoi? Oh, y'a rien. Non, ça veut dire non? Rien, ça sert à rien. Non, parce que genre, je voulais savoir, tu vois, moi je suis pas au lycée donc. C'est la galère, mais vous en sortez. Le bac, vous l'aurez easy. On s'en sort, pas moi. Personne s'en sort. Hier, j'ai eu entraînement là. Entraînement de quoi? Je fais un entraînement de aquaponais, c'est sûr. Un tacos, quoi tu veux. C'est pas du sport, mec, manger le tacos. Ça, c'est après le sport. J'ai rameuté toute la classe. Ça me casse les noix. Attendez, les gars, j'ai une idée. Maintenant, on va essayer de vendre une chaussure. Ça part vendre des chaussures. Ok, let's go. Yo! Bah oui, bah tu prends du temps, attends. Bah, tu... What the fuck? Expliquer, mais à distance, c'est jeune. Même moi, je suis besoin. Ah, mais ta gueule, je suis juste. J'ai pas compris. Yo! Yo! Proba 1000, vous êtes en cours. Je sais que vous êtes en cours. Oui! Ouais, vous êtes dans quelle classe, les gars? On est quoi? En quelle classe? Lycée hôtelier, voilà. Et ça se passe bien? Franchement, tranquille, hein. Franchement, tranquille. Eh, les gars, vous êtes pas intéressés par une chaussure? Non, merci. Attends. Elle a une roue. Non merci. Putain, j'ai perdu l'autre, je sais pas à qui la vendre. Ça aurait été une chaussure un peu plus stylée, peut-être que ce serait passé, je l'aurais prise. Ah, tu veux une chaussure plus stylée? Oui, je veux plus stylée. On est mieux là? Ah oui, alors là, ça c'est mieux. Là c'est très... Putain, vous êtes oui. Sérieux? Oui, attends, mais tu les as cop où? Dans la boutique. Genre, en fait, au début, je voulais pas celle-là. Moi, je voulais celle-là, mais j'ai perdu l'autre paire. Et du coup, j'ai que celle-là. En fait, genre, je suis obligé de me balader comme ça. Avec une paire? Mais oui, c'est ça le problème. Sinon, je les aurais mises. C'est ça le problème, les gars. Donc, si vous voulez, je vous les fais prix d'amis. Je sais pas, 50? 1000 ou 50 euros? Pas 50 000 euros, juste 50 euros. Bah écoute, moi j'ai que 30 euros. Est-ce que tu me fais crédit ou pas? Ah, putain, le mec, il est dur en affaires. Ok, alors ce que je te propose, c'est que je te donne pour 30 euros des vitamines, ça peut être cool, une tasse à café, une chaussure Dior, et en même temps, je te donne 50 euros. Ah bah, T'hésites un peu? Ouais, franchement, y a pas de... Ok, un appareil photo, 5 minutes avec moi, mais pas de sexe, s'il te plaît. Un peu de, je sais pas comment ça s'appelle, essuie-tout. Et même un truc à bulle, plus tout le contenu du pack précédent, plus 200 euros. Attends, mais t'es youtubeur, tu fais des lives? Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, ouais. Peut-être une ou deux fois. Bah, envoie ta chaîne Twitch. Vas-y, bah, essaye ça, les gars. No joke, par contre, peut-être que je peux vous vendre la paire. Eh, vous savez pourquoi, genre, je la porte pas, cette paire? Elle est passée où? Juste l'autre paire. Bah, l'autre paire, je vous le dis, je l'ai perdue. C'est le bordel chez moi. J'habite dans un petit appart, mais c'est juste que c'est le chaos. Mais les gars, je vous dis, là, le problème, les gars, finalement, c'est que j'ai qu'une paire. Et en plus, le problème, c'est que quand j'y suis allé, eh bah, je me suis trompé. En gros, c'est-à-dire que je les ai prises une taille en dessous. Donc, en fait, genre, dès que je les mets, je saigne du pied. C'est le pire investissement de ma carrière. Attends, mais c'est moi ou
où t'as 30 000 followers sur Twitch. Ouais. Jure, attends, mais t'es certifié en plus, mais c'est trop bien. Mais attends, mais va plutôt sur YouTube et tape ça. Vas-y, je prends une petite vitamine, en vrai, j'ai faim. Moi, je mange que des vitamines. C'est pour ça que j'ai de l'énergie. Je suis étudiant, ouais. Ah, donc tu manges pas des pâtes à l'eau, toi, si tu te nourris du coup des vitamines. Ouais, en vrai, les vitamines, c'est moins cher, t'en manges 10. Je suis sûr, on va passer sur sa vidéo YouTube. Il y a des grandes chances, les gars, il y a des grandes chances. Il a dit qu'on va passer sur sa vidéo YouTube. C'est incroyable. 628 000 abonnés. T'en as un de plus. Ah, merci les gars, vous gérez nous. Lâchez des likes. Allez vous abonner. Comme ça, je gagne mes abonnés en mangeant des vitamines et en annonçant mes gueules. Petit pouce bleu. Eh les hôteliers, vous êtes trop cool. En vrai, vous êtes trop cool. Allez vous abonner en masse. Normalement, vous passez vers mercredi. Mercredi ou dimanche. Genre, ça dépendra de mon emploi du temps, mais vu que je suis étudiant et que je mange des vitamines, ça devrait aller vite. Vas-y les gars, je vous tiens au courant pour la paire. Merci beaucoup les gars. Putain, mais en fait, tu tombes que sur des étudiants. Venez, on passe chez les Hawaïens. Les Hawaïens, c'est forcément des mecs chill. On va voir ce qu'ils vont dire. Bah ils disent rien du coup. Mais y'a pas beaucoup d'Hawaïens sur Omegle. Non mais c'est abusé. Et attends, y'a qui d'autre qu'on pourrait aller? Les Japonais les gars, on va aller voir les Japonais. Hola, qu'est-ce que Bonjour, oui c'est ça. Bonjour, ça va? Ça va. Sus. Beat. Parfait. You know how to speak French like everyone. Congratulations. Oh, again. Ok, again. Hi, congrats. Ok, are you writing? Yeah. Ok. Comment allez-vous? How are you doing in French? Yes. Prête-moi ton sweatshirt. Oh, it's so difficult. I know. It's like every day. Mouse. Rhino. This is Rhino. Rhino. And nose. Rhino. And nose is rhinopharyngite. Rhinopharyngitis. Yes. Good. Woo! A pencil. Yes. A pencil. Answer. Basic pencil. You know. So a pencil. Yes. A pencil. It's called essuie-tout. Et essuie-tout. 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 Can I get your essuie-tout? Can I get your essuie-tout? You know how to speak French? You have a good accent. Really? Yeah, no joke. Oh non, elle a bugué. Ah, en vrai, c'est la première conversation sensée que j'ai eue sur Omegle. En vrai, il y a beaucoup moins de bits que d'habitude. N'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Si vous voulez encore me voir, n'hésitez pas à aller sur mon Twitch. C'est dans la description. Je suis en live maintenant, c'est gratuit Twitch, tout le monde là. Elle est juste sur le lien qui est dans la description. Merci en tout cas à ceux qui ont regardé la vidéo. Partager, ça aiderait beaucoup la chaîne à s'agrandir et à conquérir le monde. Ce que tous les youtubeurs disent, bien évidemment. Et ciao!